quel est ton plus beau souvenir de Noël ? C'est quand le Père Noël, j'étais chez mes grands-parents et le Père Noël est rentré comme ça par la porte. Ça m'a fait un choc quand je l'ai vu parce que c'est rare que des enfants ils le voient. C'est quand j'ai ouvert le cadeau de ma Nintendo Switch et que j'ai sauté de joie parce que j'étais tellement émue. J'ai même fait un gros câlin à papa et maman et ma sœur. C'est mon cousin, pour me faire plaisir à Noël. Il m'a fait un câlin parce que c'était pour mes 10 ans. Et du coup, moi, ça m'a rendu joyeux. Quand mon frère, il avait fait une chasse au trésor dans la maison, pour qu'on trouve des cadeaux. Tu t'es jamais réveillée la nuit discrètement ou tôt le matin ? Si, tôt le matin. Des fois, je fais pas de bruit dans les escaliers. Puis je regarde s'il y a bien les cadeaux. Et après je remonte et je fais yes ! Et tu te recouches ? Oui, et j'attends que tout le monde se lève. Il compte beaucoup le Père Noël parce que j'en ai rêvé, j'y pense tout le temps au Père Noël. Quand je suis triste, je pense au Père Noël. Et pourquoi les enfants, quand ils sont tout petits, ils ont peur du Père Noël quelquefois ? Parce qu'ils ne le connaissent pas, il est plus grand qu'eux. C'est un inconnu en fait. Et après, quand on est plus grand, vers 5-6 ans, on sait qui il est et on a confiance en lui parce qu'il est très gentil. Quand on fait le goûter de Noël, une fois sans faire exprès, j'ai vomi sur le Père Noël. Je pensais pas que j'étais malade et à chaque fois, toute l'école va faire un câlin au Père Noël et sans faire exprès, j'ai vomi sur le Père Noël. Comment tu composes ta liste ? Je compose ma liste, je vais chercher dans les catalogues. Et après, ça dépend des prix, parce que par exemple, c'est 70 euros, je vais pas prendre, je vais prendre maximum 30 euros. Moi, je choisis en fonction de ce que j'aurais aimé avoir pendant l'année et ce que j'ai pas eu à mon anniversaire. Comment tu composes ta liste de cadeaux ? J'en fais pas. Je dis juste à ma maman que j'aimerais bien avoir des choses et je ne fais pas de liste parce que je préfère avoir la surprise de ce que j'ai. Toi, tu as commandé quoi cette année ? J'ai commandé des jeux de société, des jeux de Nintendo Switch. J'ai commandé une tour Eiffel en puzzle qui brille dans le noir. J'ai commandé le maillot du Paris Saint-Germain. Mais t'as pas commandé le maillot du Mans ? Non. J'ai commandé des livres, un Rubik's Cube 2x2, des jeux de société, un jeu vidéo. Un kit pour faire du slime, des cartes Pokémon. J'ai commandé des nerfs Fortnite, des figurines Fortnite. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'être déçu par un cadeau ? Oui. On m'avait offert un cadeau, je crois que c'était un collier. Et il était pas très très beau, du coup j'ai jamais porté. J'ai dit oh merci, c'est très gentil, mais j'ai pas dit que j'aimais pas parce que ça se fait pas. Pourquoi parle-t-on souvent de magie Noël ? Parce que c'est un moment unique. Tu l'as qu'une fois dans l'année et tu retrouves toute ta famille. C'est émotionnel. C'est censé être une période joyeuse où on oublie toutes les choses de l'année où on a souffert. Où Noël, c'est on se relaxe, c'est on a des cadeaux, on mange. C'est censé être réconfortant, Noël. Ça représente quoi pour toi, Noël ? Ça représente une bonne chose parce qu'on ne voit pas souvent nos cousins, cousines. C'est bien, comme ça, on les voit et on peut passer des très bons moments ensemble. Ouais, les cadeaux, on s'en fiche, quoi. Si. Mais moi, je trouve que le plus important, c'est de passer ensemble. J'ai cadeaux aussi un petit peu, mais avec mes cousins, cousines, on ne se voit pas beaucoup, du coup. Qu'est-ce qui est le plus important, les cadeaux ou la famille ? La famille. Ah, sûr ? Oui. Donc pas de cadeaux cette année, du moment qu'il y a la famille ? Oui. Que représente pour toi Noël ? Manger de bonnes bûches au chocolat. Et à chaque fois, on mange. Donc à chaque fois, c'est délicieux. Puis vu que souvent, c'est ma mamie qui les fait, on dit toujours que la recette des grands-mères, c'est délicieux et c'est vrai. La magie de Noël, c'est important parce que Noël... C'est la plus belle chose dans l'année, parce que sans Noël, le monde, pour moi, il est détruit.